Bonjour mes amis, comment allez-vous? Ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon concernant la conversation en allemand pour les débutants. On commence. Le premier mot, Fullzeit. 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 En français, à plein temps. À plein temps. À plein temps. Arbeiten. 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 C'est le verbe travailler. Travailler. Ich arbeite Vollzeit. Ich arbeite Vollzeit. Ich arbeite Vollzeit. Donc, on a conjugué le verbe arbeiten au présent. Ich arbeite Vollzeit. Je travaille à plein temps. Je travaille à plein temps. Ich arbeite, c'est-à-dire je travaille. Ich arbeite Vollzeit. Je travaille à plein temps. Teilzeit. 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 À temps partiel. À temps partiel. Sie arbeitet Teilzeit. Sie arbeitet Teilzeit. Sie arbeitet Teilzeit. Il travaille à temps partiel. Il travaille à temps partiel. Elle travaille à temps partiel. Sie arbeitet Teilzeit. Sie arbeitet Teilzeit. Donc, on a conjugué le verbe arbeiten au troisième personne du singulier. Im Moment. Im Moment. Im Moment. En français, on dit en ce moment ou bien actuellement. En ce moment ou bien actuellement. Im Moment arbeite ich Teilzeit. Im Moment arbeite ich Teilzeit. Et comme vous voyez, im Moment, il fait l'inversion du sujet. On ne dit pas ich arbeite Teilzeit. On dit arbeite ich Teilzeit. Je travaille actuellement à temps partiel. Je travaille actuellement à temps partiel. Im Moment arbeite ich Teilzeit. Eine kleine Tochter. Eine kleine Tochter. Eine kleine Tochter. Une petite fille. Une petite fille. Weil, 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 parce que, weil ich eine kleine Tochter habe, weil ich eine kleine Tochter habe. Et comme vous voyez, weil prend le verbe à la fin de la phrase. On ne dit pas weil ich habe eine kleine Tochter, mais on dit weil ich eine kleine Tochter habe. Weil toujours prend le verbe à la fin de la phrase. Parce que j'ai une petite fille.
Parce que j'ai une petite fille. Im Moment arbeite ich Teilzeit, weil ich eine kleine Tochter habe. Im Moment arbeite ich Teilzeit, weil ich eine kleine Tochter habe. Im Moment arbeite ich Teilzeit, weil ich eine kleine Tochter habe. En français, on dit: En ce moment, je travaille à temps partiel parce que j'ai une petite fille. En ce moment, je travaille à temps partiel parce que j'ai une petite fille. Zeit verschwinden. Zeit verschwinden. Zeit verschwinden. Zeit verschwinden. Perte de temps. Perte de temps. Zeit, c'est-à-dire le temps. Verschwinden, c'est-à-dire perte. Zeit verschwinden. Perte de temps. Verschwindet meine Zeit. Donc, on a conjugué le verbe verschwinden au troisième personne du singulier. Verschwindet meine Zeit. Verschwindet meine Zeit. En français, on dit: Il me fait perdre mon temps. Il me fait perdre mon temps. Ich habe meine Zeit verschwindet. Ich habe meine Zeit verschwindet. J'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. Ich habe meine Zeit verschwindet. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. En français, on dit: Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ahmed arbeitet nicht. Ahmed arbeitet nicht. Ahmed arbeitet nicht. Ahmed ne travaille pas. Ahmed ne travaille pas. Ist krank. Ist krank. Ist krank. Il est malade. Il est malade. Ahmed arbeitet nicht, weil krank ist. Ahmed arbeitet nicht, weil krank ist. Et comme vous voyez, weil prend toujours le verbe à la fin de la phrase. On ne dit pas weil ist krank, mais on dit, on doit dire weil krank ist. On doit mettre le verbe à la fin de la phrase. Le verbe, c'est le verbe sein, conjugué au troisième personne du singulier. Ist. En français, on dit: Ahmed ne travaille pas parce qu'il est malade. Ahmed ne travaille pas parce qu'il est malade. Ahmed arbeitet nicht, weil krank
ist. Merci et au revoir. Bis bald.